fait que le président Macky Sall dafa déclarer sa candidature, le Conseil constitutionnel dal di koy valider. Donc ñëpp dañuy dem campagne. Est-ce que tay di kon démarche bi nga xamni mom l'opposition bi nek di wax ci troisième candidature ne serait-il pas plus judicieux, en tout cas plus rentable pour eux de laisser ce discours et de partir à la conquête des voix des Sénégalais, leur présenter un projet bo xamni en tout cas ni le mëna convaincre, voilà, pour que buñ démé élection ñu mëna ko voter directement. D'accord, ça c'est l'approche du calcul politique. Ça, c'est l'approche du calcul politique. Nous ne sommes pas dans ça et nous ne devons pas être dans le calcul politique. Xam lu ñu wara nek, ça je le dis souvent, waxna ko sa fi moy amna des combats yo xamé quand ils se présentent ces combats là wul am ben perception de calcul politique, ben idée de calcul politique dañ ko tégué fay, mais nañu jël principe bi, c'est à dire que même la défense de ce principe su naré jar nga perdre élection nga perdre électeur de loko jaral parce que toujours deug moy wey. En 2011, il y a eu des Sénégalais qui ont perdu leur vie, ou mieux, qui ont mis leur vie sur la balance pour sauver ce pays. Comment? Ces Sénégalais-là, c'était contre un seul projet. Projet de troisième candidature du président Maître Abdoulaye Wade. C'était ça, le combat en 2011. Au-delà de la dévolution monarchique, c'était ça. Troisième candidature. Dem rek ma ngi gis une photo de la première dame Marianne Faïssal sol photo t-shirt non troisième mandat de Wade. Dem j'ai toujours en mémoire Macky ak mer gaddu bi djubali assemblée nationale pour xex lolu. J'ai toujours en mémoire président Moustapha Niass yo xex djubali assemblée au-delà du carbolcan xex troisième candidature. J'ai toujours en mémoire Idrissa Seck, Bounekon Fele au niveau de la place de l'obélisque, Kher contre la troisième candidature de Wade. J'ai toujours en mémoire Ibrahima Fall, Bounekon au niveau de la place de l'obélisque, Kher la troisième candidature de Wade. J'ai toujours en mémoire tous ces vaillants, Abdourahmane Sow, M23, Nekon, place de l'indépendance, l'obélisque en 2011 pour Kher troisième candidature. Donc, le meilleur, ce n'est pas faire fixation si il y a un pouvoir. De façon générale, pour dire, parce que c'est d'ailleurs, il y a un pouvoir, il y a une opposition, il y a une société civile. Donc, tous les Sénégalais s'étaient accordés pour dire que l'Iran qui est cher, il y a un pouvoir, il y a un pouvoir, il y a un pouvoir, il y a un pouvoir. Je dis que le problème de la troisième candidature ne devrait pas être abordé sous l'angle juridique, parce que dans nos ainsi. Mais nous, il y a une morale. Une éthique, une gore. Parce que la politique sénégalaise a fait un tournant à Bohamé. En 2024, il y a deux référentiels. Par exemple, dans la politique, il faut qu'il y ait deux référentiels. Il faut qu'il y ait le référentiel juridique, il faut qu'il y ait le référentiel éthique et moral. Le référentiel juridique, celui-ci, basé au qu'est-ce qu'il mais il y aura une tailleur de la constitution, ou des juges à la solde du pouvoir, etc. Parce que le droit d'enquête torpillé, nous l'avons fait pour atteindre TV. Mais si je suis la notion éthique et morale, comme référentiel politique, il y a un politique qui a été fait. Donc je dis qu'en 2024, il y a un tournant. Bohamé, si on réussit ce tournant-là, la politique sénégalaise doit être éthique et vertu. Ailleurs, la constitution n'a pas besoin d'être écrite pour que nous puissions faire les bonnes pratiques politiques. Je prends le cas de la Grande-Bretagne. C'est une constitution coutumière. Binouni ko, coutume là, on applique. Et pourtant, ken dialgati ko. Ailleurs, la constitution n'a pas besoin d'être écrite noir sur blanc, un principe, pour que nous devions appliquer. Ce n'est que le principe de gore là, moi aux États-Unis. À mon fin de film aux États-Unis, que d'un gars de 4 ans, dem. Mais d'un coup commencé def, moudon la hamé gentleman agreement là, les gens applique cela. Si je dis qu'il y a un président états-unis américain, il n'y a pas si il y a le droit de faire le troisième mandat. Il n'y a pas. Donc, c'est un gentleman agreement. Nous, malheureusement, nous n'en sommes pas à ce niveau-là, en tout cas pour ceux qui nous dirigent. Mais le 2024 doit être le tournant pour que, jusqu'à l'extinction du soleil,
au Sénégal, qu'on ne veut pas porter un combat. C'est ce qui fait le combat pour moi, pour la troisième candidature, au-delà que nous sommes, parce que Macky, qui se présente, qu'une autre personne se présente, doit perdre en 2024. Ça, c'est clair. Ah bon? Non, non, ça, c'est clair. Non, ça, mon, c'est clair. Maintenant, le combat pour moi qui doit être mené, moi, mettre la pression, une intensité de combat, de résistance, mais une intensité de résistance, de combat, de défense de ce principe de notre troisième candidature, je suis Macky Diouké. Je suis quelqu'un qui est un peu de l'entourage de la troisième candidature. Donc pour moi, il faut donner, administrer cette forte dose de leçon à Macky et à son régime pour que les prochains régimes s'en rendent d'autres ici demain.